je le connais pas. Bah, il ressemble un petit peu à Sharon. C'est peut-être lui. En tout cas, il est sorti des boules de cristal. On l'a tous vu. Sharon a peut-être pris sa retraite. On aurait pu nous prévenir quand même. Vous vous êtes décidé enfin à me faire sortir de ma coquille. C'est un autre dragon. Ça, j'en suis sûre. Celui-là est beaucoup plus moche. Quoi? Arrête! Mais t'es complètement folle ou quoi? Si tu l'insultes, il va sûrement se mettre en colère. C'est tellement agréable de se redire le vent sur sa peau, si vous saviez. Je me sens comme un bébé. Sauf que j'ai assez de force pour tout casser. Hé! Il y a déjà assez d'immeubles en ruine comme ça, tu vas pas t'y mettre toi aussi? Allez! Mets-toi au travail, on est assez pressés. Demande-nous ce qu'on veut. Et après, on te laisse tranquille, tu pourras aller casser quelques briques dans l'autre monde si ça te chante. Quoi? Bah oui, c'est ton boulot. Je vais sûrement te décevoir, petite, mais je n'obéis plus aux ordres des humains. Hein? Quoi? Sangoku, je veux que tu saches que ce dragon ne travaille pas pour moi. Pardon, mais pour qui alors? Dis-nous ce que tu veux, ça nous fera gagner du temps. On est bien avancé maintenant.